ministère de Dieu sur cette terre. Calvaire, emprisonnement, bastonnade et torture les plus inimaginables. Il dispose d'une richesse intérieure grâce au luxe et à la souffrance. Il a créé une église en dénomination. Pour lui, l'amour s'est donné et oublié. Je pense que nous sommes en train de faire notre chemin de petit bonhomme. À travers ce festival, l'objectif, c'est de contribuer efficacement à l'enracinement de la culture de la paix et du développement durable à travers les arts et la culture. Vous avez vu les artistes qui étaient là, ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le meilleur d'eux-mêmes, à voir l'artiste, notre maman, Vivi l'International, il y avait le grand frère Jos Pinto, qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Nous gardons beaucoup et beaucoup d'espoir que le Bénin est véritablement en marche pour la paix. Et je vous rassure que nous sommes dans un dynamisme de réforme individuelle, sociale et culturelle et même éducationnelle et qui va accoucher un Bénin nouveau à l'horizon 2020. Alors tout à l'heure j'ai eu à dire au président là et que ce n'est pas seulement la danse, ce n'est pas question de venir ici décorer, mais il nous faut des séances d'idéologie. Voilà, un mercredi, un jeudi, et parler de la paix. Ce n'est pas la danse, ce n'est pas la décoration. Mais qu'est-ce que c'est que la paix? La paix au sens propre du mot, c'est quoi? Voilà. Aujourd'hui, bien sûr, les jeunes disent la paix, et c'est vrai, c'est pas seulement bon. Hein? Mais il faut maintenant l'idéologie. Donc Dieu, c'est l'esprit de la paix. Alors aujourd'hui, voilà, je suis divinement glorifié. Ou bien, est-ce que vous ne voyez pas? Je ne suis pas. Comment je suis dit? Yeke, vitre la tienne, les vies.